Sur le festival, je suis en charge du contenu, donc de toutes les animations, la restauration, les conférences, et mais aussi et surtout de la stratégie développement durable. Donc c'est tenir nos engagements et essayer à chaque fois d'innover, trouver des solutions chouettes mais encore plus efficaces pour avoir un impact carbone le moins élevé possible. Et ben, je propose qu'on aille voir ce qui se passe. Une formule avec justement un riz sarrasin à l'ouroukoum, l'ouroukoum qui colore la préparation en rouge et qui est très bonne pour soutenir la peau dans sa lutte contre les UV. Et justement dans cette préparation on a intégré des légumes qui faisaient partie de la collecte, donc c'est le curry de légumes qu'on a fait, c'est intégré aux lentilles et c'est récupéré des légumes qui allaient être jetés pour finalement nous en faire un plat. Donc en fait c'est des toilettes sèches donc qui n'utilisent pas d'eau, et donc à la place de l'eau, au lieu de tirer la chasse avec de l'eau, on va mettre un pot de coco sur de bois. Okay. À la fin, c'est écologique, donc ça n'utilise pas d'eau. On peut se laver les mains quand même avec du gel antiseptique. On a intégré le volet économie collaborative. On a un peu plus insisté sur l'humain aussi, donc on a Emmaüs. Et c'est toujours cette idée de circuit court, mais aussi avec des gens qui s'entraident. L'énergie de côté dans un générateur et ce soir l'espace enfant pourra être éclairé et fonctionner lui au niveau des écrans d'alimentation, même des enceintes, de la musique, etc. du frigo qu'on a cet espace. Grâce à tous les jeux des enfants pendant tout le festival.